Du coup, tu t'étonneras pas, hein, y a un moment où là, aujourd'hui, je replante encore et demain, je replanterai plus. Je me tétonne jamais, moi. C'est vrai, c'est important pourtant. Je vais aller voir Gunther, du touch matralala. Gunther, danse des Non, fleurs dans c'est la vrai, forêt. la danse des fleurs. Donc ils sont pas là, donc je peux pas les faire. Ouais. Bon, bah la danse les Oh fleurs. non! Bonjour les glandeurs, oui, bon oui, bah vous nous emmerdez parce que vous nous bloquez pendant qu'on travaille C'est ça. durement. En plus, je veux pas dire, mais il y en a quand même qui sont dégueulasses parce qu'ils ont posé des conneries. Je sais pas pourquoi tu leur parles, hein, ils vont dire la même chose. Hein. Oh, mais je sais pas, je me dis que ça peut augmenter l'amitié. Non, il y a que les cadeaux. C'est vraiment. Ils sont vraiment vénaux, hein. Non, pas du tout. Tout n'est pas du tout centré autour du. Alors j'aime bien parce que d'un côté il y a le côté Joja qui essaie de prendre de s'accaparer le commerce et tout ça. Mais de l'autre c'est vrai que bah on danse pas cette année. Il essaie de s'accaparer. Il y a toute une thématique de la communauté, de faire attention à comment dire aux autres commerçants qui viennent pour piquer, pour essayer de détruire le commerce, le petit commerce, tout ça. Puis d'un autre côté, pour avoir de l'amitié avec les gens, c'est cadeau. 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 Et dis donc, Pam, il est 10h30, hé. Et toujours pas là, Pam? Non? Ah, ça, c'est chiant. Ah, c'est chiant, ces histoires d'horaire, c'est. C'est chiant parce que toi, t'es là au niveau des horaires et puis, enfin, Ça. pour essayer d'optimiser le truc et elle, elle fait un peu ce qu'elle veut. Prends 240 pailles, hein, comme on avait dit. Hein, Ouais, donc, vas-y, 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 vas-y. ne sois donc point Ah, surpris. peut-être qu'on fasse un deuxième silo d'ailleurs pour avoir une grosse réserve. Ouais. Un mouvement qui est décalé en production de laine, c'est marrant. Bah, je pense que ça dépend, c'est le moment peut-être où il avait plus de lait ou. Du coup, ça nous a tout décalé avec le fait qu'ils aient plus de nourriture. Ouais. Là, c'est bon, hein, ils ont à manger. Point de panique. Pas de problème. Quand j'arrive, il crie Trasia! Non, oui, Moi, ils sont heureux. de panique, de Mais non, panique. pas du tout. Ils sont juste heureux Non, quand mais j'arrive. je trouve que ça fait une très bonne imitation, justement. Il faut Trasia! Pas vrai. Poulinette. Ah, Oh, il il pleut! pleut. Yes! Parti pour la pêche. Je pense que tant que ma canne part pas dans tous les sens, c'est pas encore le poisson-chat. C'est bien dans les rivières et la montagne, hein. Printemps et automne par temps pluvieux. Rivière. J'ai l'impression que maintenant que je suis niveau 10 en pêche, je récupère plus facilement des pêches, des poissons de meilleure qualité. Ouais. Hop, c'est peut-être lui là. Hop là, oh là, oui. Pas dans tous les sens. Hop, 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 il me troll. Yes, c'est bon, je l'ai. C'est le doré jaune qui nous manque. Et c'est pêche Doré jaune. nocturne, donc je pense que c'est de nuit, mais Ah oui. à savoir quand. Sûr. Alors, rivière, ville, forêt, dans le lac de la montagne aussi, en automne et en hiver. Automne et hiver, ok. Ah, j'ai un achigan à petite bouche si tu veux. T'en avais besoin, non? Je crois que j'en ai plus besoin. C'était pour une quête fixe ou c'était une quête temporaire? Oh, c'était une quête fixe. Les 50 esprits de poussière. Apporter. Ah oui, moi aussi, j'ai pas apporté de poireau à Evelyne, dis donc. J'ai le poireau et Mais. l'abricot, moi j'ai toujours pas apporté. 10 morceaux de bois dur. Ah oui, c'est vrai qu'elle voulait des morceaux de bois dur, Mistinguette. Ça me fait un peu chier par contre, les bois durs. Parce qu'on en a pas des masses. Bois dur, on n'en a pas tant que ça, franchement. Sachant qu'il est 19h40, donc c'est. Soit elles sont au bar, soit c'est mort. Il n'y a personne au bar. Ok. Je me casse. Me casse. Me casse. Ça rapporte à l'agriculture quand même. Ah bah ouais, là puis j'avais pas mal de jus de jus de fruits. Du jus. Ah, le jus de chou-fleur quand même, c'est 393 PO. Ouais, c'est plus rentable l'agriculture comme que la pêche. Bon, j'ai pas pêché beaucoup non plus. Donc, mamie. Cadeau de mamie poireau. C'est Evelyne, hein? Ah ouais, c'est Evelyne. Oh, je vais lui mettre ça. Le problème c'est Portez le que. poireau à Evelyne. Et quand tu lui tends, elle te fait quoi? Je sais Tu peux pas, pas je. lui tendre le poireau en le tenant dans ta main? Si, mais je dois pouvoir, mais c'est juste que je vois qu'il y a un point d'interrogation sur son four. C'est pas l'autre quête, ça, parce qu'il y a deux quêtes avec Evelyne avec des poireaux. Il y en a une où elle nous en demande 12 et une où elle nous en demande 1. Ah oui, rassembler 12 poireaux. Ah oui, et puis les mettre dans sa cuisine. Bah oui, mais mamie, écoute, là, non, quoi. Oh, attends. Ça va. C'est bon, hein, elle va faire avec ce que. Elle va se calmer, mamie. Elle va se faire avec l'unique poireau qu'elle aura. Ils vont savourer le poireau et puis c'est tout. Hein. Oh là! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré chez Emily. Génial, tout le monde a des pierres précieuses. Maintenant, fermez les yeux et respirez lentement, profondément. Oh là!
Lorsque vous expirez, laissez toutes les tensions et énergies négatives s'écouler hors de vous. Tracia peut pas le faire parce qu'elle a que du négatif. Non, c'est pas vrai. Ils sont en train de créer un culte. Ils vont invoquer un démon. Oh merde, il y en a une qui dort. Et alors, quand on voit celle qui dort, ça m'étonne pas du tout. Je pense que les pierres précieuses ont été utilisées à bon escient. Ouais, c'est ça, ouais. Les pierres précieuses ont été certes utilisées à bon escient. Emily, tu peux sortir de ton trou, là? Ah, voilà, c'est bien. Elle m'a entendu. Parce qu'il est midi, il faut que j'aille voir Robin aussi. Ouais. J'ai que les chèvres qui m'ont donné du lait aujourd'hui. Ouais, tu vois. Comme tu préfères les chèvres aux vaches, tu vois, ta préférence, ça les a stressées aux vaches. Elles sont toutes comme mais ça. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais eu de problème avec elles. Hein. J'ai toujours non, eu du lait. Non, mais attends. Tu les stresses. Pas vrai. Ce bois est parfait. Encore heureux qu'il est parfait. Je me suis fait chier. Donc le poulailler... Non, c'est... Alors le poulailler ou le moulin? Le grand poulailler. Non, poulailler d'abord. On va faire d'abord poulailler. Après on fera moulin. Je m'en occupe. Je vais chercher. Il est 14h10. Normalement, je devrais avoir le temps. Pierre m'appelle. C'est pour te dire qu'il a des super promos chez lui. Ah, il adore faire affaire avec nous. J'aimerais vous rappeler que le magasin de Pierre vend les meilleures graines et les meilleurs produits voilà. De toute la vallée. Mais je m'en fous. Je le sais, ça. Elle est en train de se tirer. Il est 17h. Non, reste là. Grand poulailler construit. Elle était en train de partir. Heureusement que j'ai activé la boîte de dialogue avant qu'elle se barre. Je te jure. Elle m'a vu arriver. Elle s'est dit, oh putain, il va demander un truc. Vu que je me casse. C'est ça. Je te jure. J'ai cliqué sur la boîte de dialogue. elle était en train de quitter son truc. Genre l'air d'Orient, tu sais. Il ne m'a pas vu. Non, 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 non. L'ordinateur de ferme, ça c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc on va pouvoir le faire immédiatement. Mini-obélisque, on la machine, on la huile encore. Aussi, il va nous falloir. Si on peut. Bah justement, je regardais. Il me manque du bois dur. On n'a pas de bois dur. Les grandes, 6 grandes soucheries apparaissent quotidiennement dans la forêt secrète. Ah ok. Quotidiennement. Ah oh, putain, faut que j'y aille alors. Ouais. Demain, c'est le... C'est l'été. C'est l'été. Donc là, aujourd'hui, il faut que j'aille récupérer les fleurs. Analyse de la ferme Pookieland. Foin, 190 sur 240. Total des récoltes, 42. Ferme cave prête. Ferme cave. Ah, parce qu'on doit pouvoir débloquer une cave sur notre maison. Oui, c'est au dernier niveau, je crois, ou au niveau 3, je sais plus. Tant que je m'en sers pas, que je vais couper du bois dur, justement. Mm-mm. Autant profiter de ce moment. Et améliorer les outils, pioche d'or. Let's go, baby. On a masse bois hein, ici, hein, de ce côté-là. On va en récupérer. Ah bah c'est cool. Je vais pêcher pour le moment. Pas de bois dur, hein, ceci étant dit, mais... Ouais. Ah non, j'avais dit que j'irais justement, effectivement. Putain, je suis con. Parce que si on peut vraiment choper après sur les arbres classiques, ça sera bien. Ouais, bah ouais, ouais. Parce que là, j'ai, sur le nombre de trucs que j'ai eu, j'ai chopé juste 11 bois durs. J'en ai oublié ? Ah mince. Attends, il y a un passage au sud ? Ah merde! Ah punaise! Ah pourquoi je vois plus le... Ah bah heureusement que tu me le dis parce que là tu vois pour le coup je ne savais même pas qu'on pouvait passer là. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tac. Tac 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 tac. La place du village c'est le cercle. Ah! Il y a un mystère caché dans la place du village. De toute façon cette ville n'est pas ce qu'il y paraît. Moi en vrai, à mon avis, notre personnage a été envoyé en enfer. Et on nous fait croire que t'es là pour respirer et prendre du bon temps. Et en fait, t'es torturé de tous les côtés. D'un côté, on te dit tu dois aider la communauté. Et en fait, on fait tout pour la communauté. Intégralement tout. Tandis que les autres sont en train de glander. Et de l'autre, tu dois affronter des démons et des créatures pas possibles dans les mines. Moi, je suis convaincu qu'en fait, c'est Stardew Valley, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Hein. Vite, cours dans le lit. Et je saute dans le lit, je plonge. Plonge moi aussi. Ah t'y étais pas, je croyais que t'y étais. Non, tu, non. Tu dois suivre les directions et changer de direction quand tu atteins un obstacle. Ah. Ok. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah je ne sais pas. Un bruit étrange un a bruit été étrange. Entendu pendant la nuit. Non. C'était pas étrange. Pas du tout étrange. Bonjour Norm, merci d'avoir acheté une amélioration pour le poulailler. En plus de doubler la capacité du poulailler, je me suis permis d'installer un incubateur. Pour l'utiliser, place simplement un œuf à l'intérieur s'il te reste de la place dans ton poulailler. L'œuf l'éclora dans quelques jours. Comme toujours, merci pour tes achats. Cool. C'est bien ça. Et je pense que là aujourd'hui, je vais m'occuper de récupérer des racoparés. Toi de lancer les récoltes et puis après, je vais aller le lendemain. J'irai dans les mines.
Pour l'iridium. Bah, là, il y a un appareil bizarre. Ah bah, c'est peut-être ce qu'on n'avait pas trouvé la nuit dernière. C'est peut-être ça, le bruit. Ah. Capsule étrange. Il y a quelque chose fait de chair qui se déplace dans le liquide. C'est pas rassurant hein, de voir le truc en train de... En plus, il marque qu'il gesticule à l'intérieur. Totem de téléportation montagne. Ouais. Cueillette niveau 7. Je le sens pas. Un jour, on va sortir, on va voir le machin en train de circuler dans la maison ou à l'extérieur. C'est ça. Arrive, Pam. Allez, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Oh, je vais prendre les pierres Omni. Ça, 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 je pose, ça, je pose. Le slim, il va là et il faut que je récupère ça. Comme ça, je vais voir ce que le marchand peut nous vendre. Triple dose d'espresso. Ah bah lui, il vend du café, tiens. Contre un diamant. Ah. Sans merde pas. Oh, pas déconner. Ah non, c'est de l'iridium pour ça, ok. Chapeau de cowboy magique 333, géode, merde. Je vais prendre plutôt le trésor d'artefact. Hop, punaise. Prends l'épée. Ah, j'ai pas pris la bouffe. Ah merde. Ah, quel couillon. Oh oh oh. Oh. Vite, 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 prends l'échelle, quitte la mine. Oh. C'était juste. Ah bah ouais, ouais, plutôt. Bon bah écoute, j'ai dépensé 500 PO pour quasiment rien. Comme j'ai oublié connement la bouffe. C'est marrant parce que les pots de fleurs, t'as vu, ils changent de tête en fonction oui, des périodes. Oui, j'ai vu. Alors que on dirait une tête de loup, là. Ouais. C'est comme... j'ai l'impression qu'ils changent en fonction des saisons. Oui. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi t'achètes des graines? Arrête, on n'a plus d'argent après. Oui, mais il faut qu'on achète des graines. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il vaut mieux profiter des plantes qui se renouvellent, comme le houblon, par exemple, quitte à dépenser... Plutôt que de devoir racheter à chaque fois des plantes. Bah, majoritairement, j'ai pris des plantes qui se renouvellent, en fait. Mais j'en ai pris quelques-unes, dont une dont on a besoin pour la communauté et qu'on n'a pas encore. Ok. Attends, faut que je fasse vite pour descendre. Je sais pas si j'y arriverai un jour au niveau 25. C'est... Ah, faut que j'utilise l'escalier, sinon... Faut que je fasse masse escalier. Ah oui, c'est vrai. On a la possibilité de faire les escaliers. Ah oui. Ça doit être une stratégie pour aller vite, pour aller tout en bas. Ah, puis. Yes. 6 niveaux. Niveau 11. Bah, si je vais avoir le temps. Ah non, c'est chaud. Hein. Et comme l'autre, en plus, ça vient pas à l'orée du jour, là, à l'aurore. Faut que tu fasses ça à 9h. Le seul moment stressant, c'est vraiment quand t'as les bestioles arrivent en mode, tu sais... Ah ouais. Full attaque. Oh. Fais attention à l'heure. Hein. Ouais, mais de toute façon, je vais te sortir, je pense. À l'extérieur aussi. On perd du temps, c'est ça. Bon, bah, niveau 14.